Salut! Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir les secrets pour réussir un potager bio pour 4 personnes avec moins d'une heure par semaine de travail. Donc, je vais vous montrer en partant de zéro, hein, sur une base de terrain de 3 mètres sur 4. Donc, on va commencer par défricher ce terrain. Donc, bien sûr, on va déjà savoir la place de son potager. Vous montrerai par différentes vidéos cette place. Bien sûr, on va voir aussi l'utilisation des outils, de l'arrosage, les protections qu'on a besoin pour faire ce beau potager tout le long de l'année. Aussi, la base la plus importante, c'est d'améliorer son sol. Donc si vous avez une terre sableuse ou une terre argileuse, on revient toujours au même principe, comment les améliorer. Après, la rotation des cultures, donc ça va être un petit peu plus complexe, mais on va y aller progressivement. Les semis, alors bien sûr toute la gamme de légumes, je vais vous déployer régulièrement par des vidéos, avec la gamme de légumes et la gamme de plantes médicinales. On va voir aussi dans certaines vidéos les maladies. Nous allons apprendre aussi à les conserver, hein, soit au congélateur, soit séchés, soit en bocaux. On va voir plusieurs vidéos comment les conserver à la maison au moins pendant une bonne année. Donc je vous demande simplement, êtes-vous prêt à suivre ce nouveau défi et cette belle aventure? Alors bien sûr, ça va être très facile puisque je vais prendre une base très simple, hein. On va partir sur une base de terre simple, hein. On va pas partir sur des choses et d'autres, donc on reste très simple. Un carré de 12 mètres carrés, on va travailler, on va le diviser en trois, on va faire des légumes racines, des légumes feuilles, des légumes fruits, et on va découvrir l'évolution de ce potager. Avec les difficultés, hein, en sachant que moi je vais le préparer en Normandie, donc actuellement il fait très froid, on a des hivers très très froids et humides, on a l'automne pareil avec pas mal de vent, l'été bah, soit il est chaud, soit il est pluvieux, et puis le printemps bah, soit il est froid, soit il est pluvieux, donc c'est vraiment un climat tempéré. Donc avec tout ça on va faire attention aux maladies, bien sûr avec des traitements naturels. Et vous inquiétez pas, si vous êtes débutant, si vous n'avez jamais fait un potager, ça va être très très simple puisque vous allez pouvoir regarder les vidéos quand vous avez le temps, et chaque semaine je vais vous donner un petit travail à réaliser pour les jours qui suivent. Donc vous inquiétez pas, pour les débutants il n'y a aucun souci, on va tous y arriver. Et ce que je vous demande simplement, c'est que si ça vous intéresse, et bah de me le dire et de commenter, et bah de par la suite, si vous avez commencé avec moi ce nouveau potager, de m'envoyer des photos, de m'envoyer tous vos problèmes, et puis on va échanger ensemble, on va participer, et puis on va faire ça pendant un an, deux ans, trois ans, et on va améliorer notre potager, et on va faire des tests, et puis par exemple vous, dans certaines régions, vous allez tester un produit que moi je ne pourrais pas faire, et vice versa. Donc on va pouvoir dialoguer ensemble par vidéo, par commentaire, et ça va être une aventure passionnante et enrichissante pour tout le monde. Voilà, salut, à la prochaine.